Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien avec ce beau paysage qui est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. C'est un des biomes que je préfère, en fait, que je trouve le plus beau, en fait. Il est beau, il est magnifique. Et j'ai commencé un petit peu à construire ma cabane. Ma cabane, bon, ben, comme vous savez, moi, je suis plutôt cabane de pêcheur. Je suis pas très, très construction. Pour le basalte, j'en ai fait des escaliers. Ben, j'essaie de faire un toit. Bon, là, apparemment, là, le dégradé, il manque un dégradé. Je le rattraperai plus tard. Bof, brochement, ça fait un peu sombre, en fait. Ça fait un peu sombre. J'ai mis plein de lumière autour, quoi. Donc, j'aime bien. J'aime bien avoir de la lumière, on va dire. Oui. On va mettre des vitres un peu partout, en fait. Bon, je voulais faire avec vous en ligne, c'est mieux. Hop, oui, c'est vrai que j'aurais pu utiliser des carreaux avec colorés, avec des couleurs, mais tant pis. Hop, ça va être, on va pas passer beaucoup de temps ici. C'est juste histoire de dire qu'on a un chez nous. Ok, il n'y en a pas assez, c'est pas grave, je m'en doutais un peu. Et hop, donc j'ai pratiquement rien fait en fait. C'est juste, j'ai pris du sable en fait depuis la dernière fois. Je devais miner en offline, en fait, j'ai toujours pas fait. J'ai juste construit une petite baraque, quoi. J'ai commencé à faire les bases, on va dire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller miner du diamant. Il m'en faut au moins un, trois de préférence, pour attaquer le Nether, parce que j'aimerais bien attaquer le Nether. Dans le Nether, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. C'est juste un petit truc à voir, donc on ira le voir, il n'y a pas de souci ensemble. Et juste après, bah, on découvrira les autres biomes et les autres mobs, et on finira de découvrir le mode. Allez, je vous dis à tout de suite, je vais aller miner, continuer à miner. Je vais aller miner tout court. Hop, j'ai pas besoin de tout ça avec moi, donc je dépose. J'ai pas de place, mais j'ai beaucoup de bois. Donc je vais me refaire un deuxième coffre et voilà. Et on va co continuer l'aventure. À tout de suite pour vous. Oui, avant que j'aille plus loin, en fait, je voulais vous montrer. Oui, la porte, en fait, je trouve ça super joli avec l'aspenwood planque, le bois blanc, en fait, qui ressemble à du bouleau. Je trouve super sympa les portes qu'ils font. Elle est transparente, elle est super jolie. Elle est vraiment super jolie. Donc, on peut faire plein de portes complètement différentes avec ce mode. Donc, voilà. J'ai planté des arbres à côté. Donc, voilà. Ça va me faire. C'est de l'aspenwood, celle-là. Voilà. Et ça, c'est du chêne. Et j'ai toujours pas trouvé de solution pour la bouffe, en fait. Donc, vraiment, j'ai toujours pas trouvé de site, de graines pour faire du blé, en fait. Et j'ai pas réussi à looter. Bon, j'ai pas fait grand-chose, mais je vais essayer de continuer à essayer de looter une pomme de terre ou quelque chose d'autre, quoi. Donc, des mobs, parce que question bouffe, c'est vrai que ça va poser problème à un certain moment. Allez, bon, bah, j'attaque, je continue mon truc. À tout de suite. Bon, bah, j'ai trouvé mes diamants assez rapidement. Mes trois diamants pile poil, donc je suis pas très loin de mes escaliers, en fait ils sont juste derrière. Et c'est bizarre parce que d'habitude on en trouve un peu plus, on trouve pas trois, ou on trouve très très peu de trois en fait. Bon bah tant pis, j'ai de quoi faire au moins une table d'enchant et ma pioche, donc c'est cool. Cette fois-ci je suis parti avec du bois. Ouais, donc une table de craft direct. J'ai mon seau d'eau, j'ai tout ce qu'il me faut, donc c'est bon. J'ai pris les trucs comme ça. Pardon, le marbre et la lime, je sais pas quoi. Continue toujours de prendre du fer parce que bon, ça c'est sur ma route. Et si je veux faire une enclume par exemple, ça peut toujours servir. Ah, le bug de chunk, c'est sympa. Et voilà, voilà, je continue à miner tranquillement. En montant, je vais certainement prendre. Pardon. Je vais certainement prendre
L'obsidienne, donc la fameuse obsidienne. J'en prends 14, comme vous le savez. Et on va faire un saut. Pendant cet épisode-là, on va faire le saut vers D3. Je vais y arriver. J'arrête pas de bafouiller aujourd'hui. C'est cool. Vers le Nether. Allez, à tout de suite. De toute façon, ma pioche, elle est bientôt morte. Voilà, j'avance. Et c'est cool. Donc, pour vous montrer, ma dernière mort, elle est à 27. Voilà. Je suis là. Les escaliers sont là. Donc, j'ai pioché au pif par là. Bon, j'ai réussi à tomber sur ce qu'il faut comme diamant. Allez, je fais ma pioche rapidement. Allez, je la fais avec vous. J'ai mes deux diamants là-haut pour la table d'enchant. C'est cool. Et je vais. Hop. Voilà, c'est cool. Je vais vous éviter la séance de minage de l'obsidienne. À tout de suite. Bon, on est arrivé, c'est bon. On va faire notre table d'enchant. Je vais commencer par elle. Je vais commencer par elle, la table d'enchant directement. Hop. J'ai ce qu'il me faut. Et ensuite, il va falloir un silex. Je ne sais pas si j'en ai eu un ou pas. Je n'ai pas souvenir, on va dire. Voilà, je la mets là. Oula, c'est joli. Hop, parfait. Si j'ai un silex, ok. Et il me faut un fer. Et je ne sais pas où est-ce que je vais mettre mon portail des nether. Parce qu'il va faire du bruit, sauf si je le désactive juste après. Et mon arc ne va pas faire mon feu. Mon arc va pas faire en feu. Est-ce que j'ai peur? Oui, je peux en faire un autre en fait. Ouais, c'est parfait. Écoutez, je prépare le portail du Nether. Hop. Et on va faire un saut dans le Nether. Je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre. Ouais, je crois que là j'ai un petit creux là. Non. Qu'est-ce que je. Hop, 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 pardon. Donc à faire. Je vais. Enchanter ma pioche et puis Sanchi, c'est parfait. Et je vais enchanter mon truc et je vais faire mon portail et je reprends. Allez, tout de suite. Ouais, j'ai profité pour faire une enclume, mais voilà, mon arc complètement abîmé. J'étais P1, P1. J'ai un petit P2, c'est parfait. J'ai des plumes. Ouais, j'ai des plumes, 16 plumes. J'ai encore un P1 que sous le coude. J'ai des plumes. Il manque du gravier. Il me faut du gravier pour me préparer pour le Nether quand même. Donc je vais me préparer quand même un minimum avant d'aller dans le Nether. Donc ouais, je crois que je vais faire ça comme ça. Voilà, c'est pas la peine de se presser. Hop, je range tout ça, je range tout ça, je range tout ça. Ça c'est pour le portail. Ok. Moi, je finis de me préparer. Je vous reprends tout de suite. Alors, j'ai pris de quoi me faire limite un stack de. Ouais, un stack et 4 flèches. C'est parfait. Donc, j'ai assez de quoi pour aller dans les airs. J'ai de quoi aller dans les airs. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je crois même que je vais faire l'extra d'aller. Il me reste 3 niveaux. Ouais, il y a moyen de faire un deuxième P2. Donc non, j'hésite. Allez, c'est pas grave. Hop, je vais faire mon portail à côté. Qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai les blocs, j'ai ma deuxième pioche. Je ne sais pas si c'est trop malin de ma part de l'embarquer. Excusez-moi, j'ai des lags. Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Ouais, j'ai quelques lags là, je comprends pas pourquoi. C'est pas trop méchant. Je vais juste un peu. Petit peu m'éloigner pour éviter le bruit. Ouais, je vais me mettre par là. C'est parfait. Ah oui, c'est affreusement terrible comment je lag. C'est vraiment affreux quoi. Allez, je vais me mettre là. Parfait. Ça me plaît. Ça me plaît. Hop là, ok, on va faire notre portail. 1, 2.
Ça, c'est des blocs. On en a toujours besoin, des blocs. Ok. Bon, donc, okay. Une cobble et on va générer notre portail. Et surprise spéciale dédicace à Mister Atekiro qui me dit que moi j'ai toujours de la chance quand j'active le laser. Allez, on va voir. Et pourtant, j'ai pas vraiment beaucoup de chance. On va voir. Allez, surprise, surprise. Ah oui, ça lag. Ça lag énormément. Pourtant, j'ai rien qui tourne sur mon PC. Ah oui, ça se génère, mais gentiment, doucement, mais sûrement. Ok, je me retrouve là, c'est cool. Plus ou moins. Et moi, ce qui m'intéresse dans le laser, j'irai certainement faire un saut vers pour voir s'il y a une tour, en fait. Parce que s'il y a une tour, une forteresse, pardon. Parce que je suis intéressé par le. Hop, ok, ça marche. Je suis intéressé juste par les potions, juste pour pas autant que potion, mais c'est juste pour la potion de vitesse en fait, juste pour le speed. Ok, je vais couper définitivement cette source de lave parce que elle va m'embêter plus qu'autre chose. Ok, source coupée. Parce que comme je lag, j'ai pas envie de me cr de cramer mon monstre tout de suite. Je sais que je vais mourir, c'est sûr, mais je regarde, non, y a pas de forteresse. En gros, dans le désert, il y a deux plantes. Oui, dans ce mode-là, il y a des plantes. Elles sont rares, elles sont très rares même, surtout il y en a une qui est en couleur rouge. Elle est très rare et je regarde si par chance j'en tombe sur une. Mais apparemment non, c'est pas le cas. En plus mon spawn est vraiment pourri, est vraiment pourri quoi. Donc j'ai pas un spawn de nether qui est terrible. Et j'ai pas spécialement envie d'aller creuser au fait. Donc même derrière j'ai l'impression qu'il n'y a rien en fait. Donc je serais obligé de bridger avec un gaz qu'on entend qui est juste là. C'est pas la meilleure des idées. C'est pas la meilleure des idées. Ah oui, j'ai un spawn qui est pourri, vraiment pourri. Ouais, j'ai. Ok, bon, mais c'est pas grave, je vais essayer. Ouais, il y a de la lave quelque part par là, ça coule. Bah, je vais essayer de me faire un chemin tranquillement. Et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Bon, je vous reprends parce que j'ai trouvé la première plante qui est celle-là. Et hop, on va essayer de la prendre. Et en fait, ce n'est rien d'autre qu'un genre de champignon en fait phosphorescent en fait. Ça s'appelle un glowcap. Bah, elle a pratiquement aucune utilité en fait, mais bon. Voilà, c'est une plante. Ce n'est pas la plus rare. Moi, j'ai eu quelques dégâts avec les Mister Ghast, en fait. Donc, ils m'ont fait quelques dégâts. Ok, bah, je continue ma visite. Et à l'instant, il y a un magma qui vient de despawn. Et il ne se mange pas trop parce qu'il m'aurait bien intéressé, oui. Tant pis, c'est pas grave. Moi, je continue un peu ma virée dans le désert. Allez, à tout de suite. Et je vous reprends parce que j'ai trouvé la deuxième plante qui est censée être plus rare, qui est rien d'autre. Pardon, je prends encore ça.
que la blonde nette. La blonde nette, c'est une plante un peu plus rare, en fait, plus rare que le glaucap. Aussi, je crois qu'elle sert à rien. Je ne sais plus, je me rappelle plus, en fait. Vraiment, je me rappelle plus. Ou peut-être elle va rentrer dans une composition de potions qu'on verra un peu plus tard, éventuellement. Ça, j'ai remarqué ça plusieurs fois, en fait, ce n'est rien d'autre que des os, en fait. Donc c'est un genre de squelette qu'on ne peut pas récupérer, malheureusement. Donc elle est un peu partout. Et là, je suis tombé sur trois trucs en même temps que je vais me presser de prendre. Donc, le but de la série de... Hop, c'est un autre des eaux là-bas aussi. Du nether. Donc, c'est fait. Et là, bon, bah, on va faire du nether standard maintenant. Allez, tu viens, s'il te plaît. Ok, merci. Je vais essayer de trouver une forteresse et voilà. Allez, à tout de suite. Une forteresse juste pour prendre juste pour prendre de quoi faire des potions pour la vitesse. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai juste oublié de filmer le début de la forteresse, mais je suis tombé sur une forteresse et là. Je vais essayer de voir quelques blaze rods, pas trop, 2 ou 3 ça me suffit largement. 2 ou 3 ça me suffit largement en fait. Et ensuite je vais juste prendre pardon, hop, il faut juste que je me fasse la protection comme il faut, parce que là je suis pas vraiment protégé. Oui, je vais me prendre. En plus, j'ai pas assez de bouffe. Donc, je vais juste rusher là. Juste de quoi me. Hop. Là, je vois qu'il y a déjà 2 blaze rods. Donc, ça peut me suffire au début. Surtout que les blaze rods vont pas me servir là. Parce que les potions de force, j'en aurais pas besoin en fait. Et là, avec mon P2, bon, bah, je rush direct. Hop. Hop. Ça me suffit, 4, c'est très bien. Pour l'instant, c'est parfait. J'ai déjà rushé, en fait, j'ai fait une protection. Et là, c'est bon, c'est ce qu'il me faut. Il me faut juste que j'ai oublié de la bouffe, c'est cool. Non, c'est pas cool du tout. Mais bon, j'ai des champignons, j'ai du bois sur moi cette fois-ci. J'ai encore oublié d'en prendre, c'est cool aussi. Bon, c'est pas grave, je vais juste aller doucement, gentiment, sans trop presser pour prendre le. Aller bugger le truc. La forteresse est buggée, parce que là, en théorie, c'était censé avoir les couloirs. C'est cool. Juste pour prendre. Non, je vais y arriver, je vais y arriver. Juste pour prendre la Nézarak, en fait. Pas la Nézarak. Ça va me revenir le nom. Juste pour faire des potions, en fait. Donc, j'ai de quoi faire un alambic, j'ai tout ce qu'il me faut. Allez, je vous dis à tout de suite une fois que j'ai tout. Et on se retrouve à tout de suite. Bon, je vous reprends là parce que j'ai enfin trouvé ce que je suis venu chercher. Hop. La verrue du Nether, tout à l'heure je trouvais pas le mot. Bon, c'est pas grave, j'en prends quelques-uns. Tout à l'heure j'ai eu un squelette, et il m'a donné sa tête. Mais vraiment, quand on les veut, on les a pas. Quand on les cherche pas, bon, ça je prends, c'est une selle. Quand on les veut, on les trouve pas, mais quand on les cherche pas. Ah non, bon. Jusqu'à maintenant j'ai réussi à éviter, mais là. Ouais, quand on les veut, on les trouve pas, mais quand on en veut pas, c'est là où ils viennent. Donc c'est cool. Et j'ai réussi à avoir, je crois, deux bâtons. Ah, là, ça me prête un troisième bâton en plus. Donc là, je pense que ma mission Nether, elle est finie. Oh, je n'en ai trop de monde là. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Sauf si j'arrive à sniper à distance, on verra. Mais bon, j'ai ce qu'il faut. Vraiment, j'ai ce qu'il faut. Je vais juste continuer à faire le tour des coffres. Si je trouve un truc d'intéressant, je prends une deuxième salle avec moi. C'est pas grave, ça mange pas de pain.
Les verrues, je prends pas tout, vous savez pourquoi? Parce que bon, j'ai pris de la soupçon tout à l'heure. Je vais la faire pousser juste au cas où si je meurs ou autre. Voilà, je sais que je peux en retrouver à nouveau. Donc ça m'évitera de. C'est cool, il y a du fer là-dedans. J'aurais préféré de l'or. Ça, c'est une épée en pierre de notre ami là. De notre ami. Par contre, il faut que je cours. Je cours très vite et je fais la protection. C'est celle-là, la protection en fait, c'est celle-là. Ils font 2,5 blocs de hauteur, donc ils peuvent pas passer. Nous, on peut passer, mais eux, pas eux. Donc voilà l'astuce. Donc là, ma mission, elle est finie ici. Donc voilà. J'ai cru entendre un autre. Ok, bon, bah, on va éviter parce que là. Je serais pas bien en fait si je meurs là, donc c'est un peu bête. Quoique voilà, je suis les coordonnées de la forteresse. Au pire, je sais où revenir pour récupérer mon bien, on va dire. Par précaution, hop, on va la faire. Bon, c'est pas grave. J'ai un peu loupé, mais c'est pas trop méchant. Ah non, c'était à l'autre coffre. Ouais, moi aussi, je me disais. Ce coffre-là, j'ai déjà vu. Et donc, il y en a un ici et un diamant. Ok, je prends. Donc, lui, il peut pas passer. Par contre, l'autre, il peut passer. Ok, c'est bon. Bon, bah, allez, on commence le chemin retour. Et ça va, c'est pas trop mauvais, on va dire. C'est pas trop mauvais, j'ai eu tout ce que je voulais pratiquement. J'ai eu tout ce que je voulais pratiquement. Allez, c'est bon. Allez, à tout de suite, je vous récupère juste à l'extérieur. Bon, je suis arrivé à mon portail du Nether. On se casse ici. Je pense pas revenir au portail du Nether. En fait, je pense pas revenir au Nether. Juste si je le fais en offline, si j'ai besoin encore de glowstone ou autre. Et de glowstone, oui, de glowstone. D'ailleurs, j'ai pas pris de glowstone. Ni de quartz. Bon, c'est pas le but de l'épisode en fait. Mais j'ai pris de quoi. Donc, j'ai gagné un diamant, c'est cool. Des sels, bon, des armures, oui. 14 bulles nettes et la globe machin. J'ai de l'or, la tête de creep, la tête du wither squelette. Non, si, je retournerai certainement pour les têtes de wither squelette. J'ai des bonnes, j'ai un peu tout en fait. Bon, ça va, c'est pas trop méchant, c'était plutôt un bon wither, on va dire. Un bon nether, pardon. Je le fais tout de suite. Mon alambic, ok. J'irai faire pousser la verrue du Nether en fait. Comme ça, je serai pas en manque quoi. Donc j'irai pas dans le Nether pour à cause d'elle quoi. Donc c'est sûr. Je vais trouver juste une petite place à côté. Où est-ce qu'on la met tranquille? Là, ça me paraît. Non, là, voilà. Là, c'est parfait. Surtout que je vais pas avoir beaucoup beaucoup d'utilité. Je vais certainement utiliser juste des potions de vitesse en fait, juste pour ça. Ah bon? Je ne savais pas qu'on pouvait avoir le truc avec celui-là. L'achèvement avec la verrue du laser en fait. Donc bon, c'est pourquoi pas. Pourquoi pas? Ok, donc là c'est bon, j'ai ma verrue qui pousse tranquillement. Donc là c'est bon pour moi. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé l'épisode, merci de liker, de le faire partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis merci encore pour votre visionnage et votre fidélité. Et je vous dis au prochain épisode où on a fini avec le laser et on va attaquer l'Overworld qui est beaucoup plus riche avec tout ce qui est nouveau craft et tout et tout ce qui va avec. Et ben je vous dis à très bientôt. Tchou tchou tchou, ciao.